suis de la génération des femmes qui marchent pieds nus dans la rue, poilu. J'ai pas honte d'aimer le cul ni d'avoir trop vu. Dans ce cas eu d'individus, il y a trop d'abus. Comment ça se fait que la femme soit la sous-tribu des barbus? Je crois qu'il y a malentendu. Escompté, j'affronterai des clichés. Fatigué par les années, on aimerait juste égalité. Pas plus, car j'ai pardonné. J'ai pas osé être Icar, taper du pied. Mais bon, me guide, quand dans la nuit tu te trouves ta ridicule. Est-ce un problème de testicule qui gesticule à chaque crépuscule? Mes molécules se désarticulent. Quand le soleil disparaît, c'est l'histoire qui vient me frapper. Oui, j'ai été blessé, mais je veux rien voir qu'égalité. Confiné vous aussi, mais a priori tout le monde, et ça fait du bien d'être dehors, putain. Moi pendant le confinement je me suis fait briser le cœur. Est-ce que je peux avoir un peu plus de son s'il vous plaît? Pas de voix, de son, merci beaucoup. Et pourtant cette fois j'avais vraiment fait attention à communiquer. J'ai tout posé, j'ai tout verbalisé, j'ai rien caché sauf ce que tu m'as demandé. L'erreur était faite, c'est l'heure d'arrêter la fête. Porte claque, on se prend la tête. Tu marches sur mon cœur, arrête. J'ai tout ouvert, j'ai tout livré. Maintenant je sers ce qu'il me reste de ta lâcheté. Erreur de jugement, non, je suis pas ta maman. J'ai du mal à voir si tu mens. Un coup de fil et mon cœur pend. Un coup de fil et mon cœur pend. Je sais, j'étais parfaite pour toi. J'aimerais que tu t'en mordes les doigts. Je sais, j'étais parfaite pour toi. Tu t'en mordes les doigts. Je sais, j'étais parfaite pour toi. J'aimerais, j'aimerais te rendre ivre, vite, vite et vite. Y'a tellement, tellement de fois où j'ai fermé ma gueule. Si tu savais comme je me sens seule, si tu savais comme j'ai le seum. Y'a tellement, tellement de fois dans l'enveloppe du linceul. Si tu savais comme je me sens seule, si tu savais comme j'ai le seum. Y'a tellement, tellement de fois. Si tu savais comme j'ai le seum. Y'a tellement, tellement de froid dans l'enveloppe du linceul. Si tu savais comme je me sens seule. Si tu savais comme j'ai le seum. La fast life, je la voulais geler, mais tout n'a pas suivi. Des fois je me sens au fond d'un puits. Si seulement le padré comprenait que la vie calienne t'es ok, y'aurait moins de problèmes à la maison. Je fais le deuil du sentiment d'abandon. Je lâche l'affaire, deviens ma propre mère. Rencontre des maîtresses. Mon stress et ce qui se passe sous la couette reste sous la couette. Pourvu que demain le frigo soit plein, j'ai peur, peur, mais je ne dis rien. On fait souvent genre tout va bien quand le cœur pleure sous le sein.
ma gueule. Si tu savais comme je me sens seul, si tu savais comme j'ai le seum. Y'a tellement de froid dans l'enveloppe du linceul. Si tu savais comme je me sens seul, si tu savais comme j'ai le seum. Regarde Baba là-bas. Ouais, Baba. Du coup, moi j'ai grandi à Bordeaux et à Agen et Mont-de-Marsan et j'ai pas grandi dans un lieu tropical. Mais écoute mon blaze, c'est tropical. Depuis l'air marin, j'ai fait du chemin. Bah les mages, je sais quand tu fais malin. Regarde mieux, les gosses sont enflammés. Rappeuse un fire prête à dégainer. Ton plafond vert, on va l'exploser. S'exposer au sexe opposé. Sexto caliente, méfiate. De toi, je fais qu'une bouchée. Prends les paris. On va briser le game, ça te fait gollerie. Et papyro, mets à jour ta pendule. T'es pas prêt pour content. J'ai pas fini de faire la crapule. Mais lâche l'affaire, t'es ridicule. Sopical, tu es avec moi? Oui, je suis avec toi. Kika, de Haut de Radio, Kikaliente Reggae Show, l'émission Allez. Reggae. À ce nom, parce que tu es bordelaise, donc tu connais. Anagramme de Calypso, Sopical. Tu es originaire de Bordeaux, donc. Depuis combien de temps t'es là? Là, à Bordeaux. Sur Bordeaux, ouais. En fait, je suis née à Pessac. D'accord. Et j'ai grandi jusqu'à mes 4 ans à Sadirac. Et ensuite, je suis revenue seulement à Bordeaux pour mes études à la fac de théâtre. D'accord. Tu disais tout à l'heure sur scène, quand tu as fait ton show, c'était magnifique, merci. Tu disais que ça faisait 10 ans que tu es dans la musique. Pas du tout. Alors explique-nous. Les ça 10 fait... ans dont tu parlais, de quoi non, il non, s'agissait non. Ça fait un an que je fais de la musique. D'accord. C'est hyper récent. Ouais. Et du coup, non, ça fait 10 ans que je suis comédienne, moi. Même d'accord. Plus, mais. Oui, parce que t'es actrice à côté. Ouais. Et tu vas nous en parler, ouais. Et musicienne, ça fait un an. Et en un an, il s'est passé plein de trucs de ouf. Et j'ai beaucoup de chance d'être parce programmée que t'as là-bas. Été repérée par ta carrière d'actrice. Non, non. J'ai vraiment sorti 4 titres et 4 clips après le confinement. D'accord. Entre les deux premiers confinements. Ouais. Ce moment-là où on a cru que, mais non. Ouais. Et en fait, ça, j'ai postulé à des concours et c'était bon. Et en 2021, j'ai gagné 3 concours. Quel genre de concours? Alors, la Women Metronome Academy à Toulouse, c'est le d'accord. premier concours national pour les identités féminines. Et d'accord. c'est vraiment extraordinaire. J'ai été aidée par Flavia Colo. Génial. Après, Give Me Five, qui est un accompagnement parisien. Là, j'ai été repérée dans le jury avec Clou, par exemple. Et après, Rappeuse, qui est un concours national aussi de rap pour les femmes. Et il y a un an, j'ai fait mon premier concert à Bordeaux. D'accord. Et depuis, j'ai enchaîné une quarantaine de dates et c'est ouf. À la Road School Barber. Et la Road School Barber, je suis en accompagnement pro avec eux. D'accord. Donc ça, c'est trop cool parce que j'ai beaucoup de soutien. C'est une SMAC qui soutient énormément d'artistes. Bien sûr. Et ton premier concert, c'était où alors? À la salle des fêtes du Grand Parc pour le festival Talence. D'été. À Talence, on a pu voir de nombreux artistes. Oui. Alors, c'était pas à Talence, pardon, c'était à la salle des fêtes de Grand Parc à Bordeaux. Oui, c'est ça. C'est à Bordeaux. Du coup, donc tu as démarré, tu m'as dit, depuis un an. Tu slams, tu rappes, tu es auteur, compositeur, interprète. Donc tu écris tous tes textes. Ouais. Tu te démarques par ces fameux textes. Est-ce que tu te catégoriserais dans la famille des dub poetry? Est-ce que tu connais un peu le mouvement dub poetry? Est-ce que ça te parle? Non, vas-y, dis-moi pour être sûr. Les dub poetry, c'est un mouvement de poètes, de gens qui écrivent et qui font de la musique aussi. Et qui posent leurs poèmes sur du dub. Donc c'est du slam, un peu comme ce que tu fais. Ce que tu nous as fait tout à l'heure sur la scène tropicale, c'était génial. Parce que tu parles et tu chantes en même temps. Et derrière, il y a la musique qui arrive. Et ça, c'est super. Donc ça m'amène à une question. Quand tu écris, est-ce que tu as déjà la mélodie dans ta tête? Ou c'est l'inverse? Des fois, c'est une composition qui va me faire une émotion, qui va m'apporter le texte. Et des fois, j'ai un air en tête et on compose en autre. D'accord, ça t'arrive de te réveiller la nuit pour écrire? Oui. Ouais. Tu as comme ça les inspirations qui viennent. J'ai beaucoup de mal à m'endormir le soir, j'écris beaucoup le soir et je suis très inspirée, donc j'enregistre des mémos vocaux en fait. D'accord. Et je pense que j'en ai 120. Non, là j'en suis à 88. Ah oui, mais c'est quand même pas mal. Sur un nouveau portable, donc. Ouais, depuis.
être dans le désir des autres, il y a peu de choses dont je suis la créatrice à l'origine. Et là, la musique, je suis créatrice à l'origine. Et c'était important pour moi de continuer que si j'arrivais à faire ce que je voulais. C'est toi qui commandes. Et voilà. Et pour l'instant, j'ai pas, en tout cas, trouvé un entourage professionnel qui est d'accord avec, a envie d'impulser de l'argent. Après, c'est très récent. Donc, l'entourage professionnel, oui. Ça arrive jamais. Non, c'est tout jeune. Et voilà. Puis Bordeaux, c'est ça grouille de labels, de possibilités pour toi. Donc c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, je suppose que tu connais Baco Records. Oui. Donc on te souhaite le meilleur. Ouais, merci. On continue avec ta musique puisque tu fais de la musique thérapie. Un petit peu, hein. Tu es jeune, quel âge tu as? 29. T'as 29 ans. Tu les fais pas? Non. Tu les fais pas. Est-ce que tu te considères comme une passeuse de messages pour les plus jeunes par rapport au texte que tu fais? Bah, j'aimerais bien. Ouais. C'est cool. Souvent sur mes réseaux, il y a des jeunes garçons et filles qui viennent me dire des choses ou me poser des questions. Et ça, j'ai envie de l'ouvrir un peu plus encore, de montrer que oui, je peux être une source. Enfin, que mon Instagram et la communauté peut être vraiment un endroit de ressource pour les jeunes. Ça, par rapport à ta personnalité aussi, est-ce que tu annonces aussi dans ta bio? On sait qui tu es, on sait la femme que tu es aussi, on connaît tes goûts personnels. Est-ce que tu connais le mouvement LGBTQ+? Tu en fais partie, tu revendiques, tu fais les manifs, c'est très très bien, bravo. Et puis je parle d'amour féminin dans mes chansons. Donc, ouais, et ma fille te connaît beaucoup, elle a 20 ans et elle t'adore. Donc, notamment parce que tu fais partie de ce mouvement-là. Donc merci déjà de défendre ce mouvement-là, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'artistes qui le font et tu peux être fière de ça déjà. Tu parles cash, ça te fait quoi de programmer à Musique à la rue et maintenant ici au Sunska? C'est un délire, je suis hyper émue. Moi, il y a un an, en fait, quand on m'a interviewé pour un des concours que j'ai gagné, Give Me Five, je devais dire quelles sont les scènes où je rêverais de jouer. Ouais. Et du coup, je dis les festivals qui m'ont vu, où j'ai grandi, donc Garo Rock, Musique à la rue et Sunska. Et cette année, genre, moins d'un an après, je suis programme au 3. C'est une dinguerie. Genre, et puis sur la scène tropicale qui rime avec Sopical. Donc on est on est dans quelque chose d'écrit par l'univers. C'est génial. Merci beaucoup. Merci à toi. On te suit sur les réseaux sociaux, donc Instagram, ouais. Sopical avec un Y, sans K. C'est un choix parce que c'est l'anagramme de Calypso. Donc explique-nous l'origine de ton prénom. C'est mon père, il était passionné de mythologie grecque. D'accord. Et il avait cherché dans la mythologie grecque les prénoms qui lui plaisaient et Calypso. D'accord. Ça vient pas de tes origines? Non, moi je suis d'origine néerlandaise et croate. D'accord. Donc, c'est pour ça ta blondeur. Je sais pas. Non, c'est une couleur. D'accord. On a secret de femme. C'est pas marqué sur ma tête, mais c'est marqué dans mon ADN. C'est marqué dans ton ADN. Eh bien écoute, tes projets maintenant, la suite. J'aimerais beaucoup sortir un nouveau morceau en octobre, puis un EP en novembre. Je serai programmée à EB Festival à Mont-de-Marsan, Musique à la rue. Au EB Festival à Mont-de-Marsan. EB Festival à Mont-de-Marsan. D'accord. À Chamonix pour les grands festivals. Pour les journées du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux et au Mama Festival à Paris, et ça c'est cool, d'accord. J'ai trop de chance. Excellent. Et je jouerai au théâtre en même temps à partir de octobre au théâtre de la Flèche à Paris. Je joue justement une jeune femme qu'on force à marier et qui veut devenir rappeuse. Ouais. Et c'est fantastique, c'est donc, une ouais. femme. Tu représentes le mouvement parfaitement. En plus, du haut de ta jeunesse, c'est parfait. Tu m'enchaînes avec la dernière question par rapport à ta carrière d'actrice. Comment est-ce que tu as été repérée? Et est-ce que c'est suite à ça que tu as voulu faire de la musique? Ou c'est deux cheminements complètement différents? C'est très différent. Le théâtre, je voulais en faire depuis que je suis petite. Et c'est moi qui suis allée plus frapper aux portes. Et après, évidemment, dans la région, on m'a repérée, on m'a soutenue énormément. Ensuite, j'ai eu beaucoup de bonnes rencontres, beaucoup de travail aussi. Et j'ai pas du tout envie d'arrêter. Ça se passe très bien. Donc tu as fait une école de comédie? Ouais. Et j'ai commencé à travailler tôt. Donc j'ai commencé à travailler avant d'aller à l'école. À 15 ans, j'étais sur des tournages de la région et je tournais pour Famille d'accueil, Section de recherche. C'est tes parents qui t'ont inscrit? Non, c'est moi. C'est toi? Non, c'est toi qui as voulu faire? Ils avaient pas trop envie. Maintenant, ils sont très 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 contents et c'est des meilleurs supporters de la Terre, mais sur le coup, ils étaient là genre... Merci papa, maman. Notre fille, elle fait quoi? C'est pas ça qu'on a prévu. Ah oui.
mais en fait, comme j'aurais prouvé que je pouvais vite gagner ma vie avant d'être majeure avec, c'était ça le deal pour moi. C'était je vais vous prouver qu'en fait on peut travailler avec ça et qu'on ne suis pas une célébrité dans. C'est un métier. Voilà, il y a plein de gens qui ne sont pas des célébrités qui gagnent leur vie en tant que comédien et en tant qu'artiste. Et ça, c'est hyper important que les jeunes l'entendent aussi. C'est pas un une licorne en fait. C'est ça, souvent c'est décrié quand on dit qu'on veut faire un métier artistique. Tout de suite, on nous dit mais comment tu vas faire pour manger ? Alors que c'est un métier à part entière et tu te fais très très bien. Enfin, oui. Je mange. Oui, c'est une façon de parler. La musique c'est venu totalement tout. C'est-à-dire que c'est plutôt la musique qui est venue à moi. Moi j'avais pas envie, je suis hyper timide. Je suis encore très timide de chanter devant les gens. Je suis encore très timide d'être en interview. Sur scène ça se voit pas. Et en interview encore moins. Tant mieux. Parce que sur un franc-parler, bah, comme dans tes chansons, c'est génial parce que ça transpire par tes textes. Et franchement, bravo. On te souhaite tout le meilleur. Un petit mot pour ton public bordelais. Ah ben, je vous aime. Merci, merci de me soutenir comme ça. J'ai tellement de chance et j'ai tellement hâte de vous revoir. Et voilà. Ah ben, super. On avait les Mongos Hi-Fi et Marina P derrière. C'est des grands. Peut-être que tu prends la suite. J'espère en tout cas te voir faire plein de choses comme ça. Ouais, merci. Merci beaucoup. Sopical. Allez, merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci pour la force et tout là. C'est bon, ça adore. Merci. Bien, merci à toi.